Vous savez, c'est important, de Marseul. C'est 11 générations, sans interruption. Il y a de la lumière dans un... On pourrait faire une photo devant le château, le père, le fils. Non, merci. J'espère que Martha arrivera à me faire un petit-fils. Pourquoi il n'y arriverait pas? Il a quand même mis 20 ans pour faire une phrase sans bégayer. On ratait jamais une occasion, hein. Contrairement à vous, la vigne est sans pitié. Je peux m'occuper des vinifs et des vendanges, avec toi. Toi? Oui, j'ai fait une école. Faut avoir un nez, faut avoir un palais. Toi, t'as que de l'oreille. Ça va, papa? Philippe! Ah bah, je suis content de te voir, mon grand. Moi aussi. Mais tu vas dîner avec nous? Non, non, mais je veux pas vous déranger en famille. C'est quoi ce travail, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le fais exprès ou quoi? Et si tu sais pas, tu demandes à Philippe. À quoi tu joues, là? Écoute, ça peut pas continuer comme ça. T'as pas l'impression que tu t'incrustes, là? Je crois que votre fils, il aimerait prendre les choses en main. C'est pas parce que t'es bon à rien que tu dois empêcher les autres de travailler, quand même. T'arrêtes de me parler comme ça, t'as compris? Tu m'étouffes, tu m'asphyxies, tu mens, tu me méprises, tu m'humilies, tu passes ton temps à m'attendre au tournant, mais c'est pas ça, un père! T'es le contraire d'un père! Oh, y a ton père, je supporte plus ce connard. Martha est très attachée au domaine. Moi, je suis pas très attachée à Martha. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment qu'on peut jouer avec les gens comme avec des Playmobil?